Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swankool Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un événement qui s'appelle Rétablir un ami sur Fortnite. Qui va vous permettre de débloquer 4 récompenses. Alors les 4 récompenses, c'est celle-ci. Donc vous avez une bannière ou logo, ouais, je pense que c'est plus un logo. Vous avez des pioches et vous avez un revêtement plus une danse, plus une musique, excusez-moi. Donc vous avez ces 4 choses-là à gagner. Alors très important, il va falloir bien écouter parce que c'est pas si simple que ça pour pouvoir les débloquer. Le truc, franchement, il est assez simple, mais c'est juste qu'il y a une petite restriction qui va compliquer la tâche. Donc déjà, on va essayer de voir si je peux me connecter. Ok, donc là, je suis connecté en SCM. Ok, ça roule. Donc, il reste 20 jours restants pour participer. Donc, bien entendu, je mettrai le site en description et en commentaire. Donc, vous aurez juste à aller sur le site et vous inscrire. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir inviter un joueur, jouer et gagner des récompenses. Voilà, c'est ça, théoriquement, ce qu'il faut faire. Mais je vais vous expliquer un peu plus. Donc là, vous aurez... prêt à rétablir, inviter vos amis et jouer et à rejouer à Fortnite. Donc déjà, regardez, quand vous connectez avec votre compte, vous avez une liste d'amis qui n'ont plus joué, qui n'ont pas joué à Fortnite pendant ces 30 derniers jours. Donc là, j'en ai 6. J'ai 6 personnes qui n'ont pas joué à Fortnite pendant ces 30 derniers jours. Et ce que je dois faire, c'est inviter une de ces 6 personnes-là. Et ensuite, je devrais faire une partie ensemble, donc avec la personne que j'aurais invitée. Donc je fais une partie avec lui et je débloquerai directement l'émoticône rétablissement. Ensuite, je fais 5 parties avec cette personne. Ensuite, je débloquerai la musique du salon modulation. Ensuite, je fais 10 parties, je débloquerai les pioches serre bleu. Et ensuite, je fais 20 parties avec les personnes qui n'ont pas joué depuis 30 jours. Et là, je gagnerai un revêtement iridescence. Alors, dernière mise à jour il y a quelques secondes. Voilà, parfait. Donc voilà, la difficulté du truc, de cet événement, c'est de trouver un joueur qui veuille bien vous rejoindre et jouer 20 parties avec vous. Bon, qu'il faut un joueur qui n'a pas joué depuis plus de 1 mois, c'est la restriction. Regardez, là il est connecté depuis sa dernière connexion, c'était il y a 2 mois, ici c'était il y a plus d'un an, là c'était il y a plus d'un an, là c'était il y a 2 ans carrément. Donc voilà. Vous essayez d'inviter celui, le joueur le plus récent, par exemple Cengiz, bah, j'essaierai de l'inviter et lui demander de faire genre 20 parties avec moi pour débloquer les 4 récompenses. Et voilà, après, peut-être il voudra pas, mais voilà, faut insister. Faut demander. Donc voilà, je vais dire un petit peu ce qu'il est marqué là. Donc, invitez vos amis, sélectionnez un ami dans la liste, invitez-le à jouer. Souvenez-vous que vous ne pouvez qu'en choisir qu'un. Ah, on peut ne... Quoi ? On ne peut choisir qu'une seule personne. On ne peut choisir qu'un seul ami. Donc, soyez sûr de qui vous allez inviter. Parce que si vous invitez, par exemple, moi, je vais inviter Bamikao. Si Bamikao me dit non, bah, je suis baisé, en fait. Je vais essayer quand même. Hop. Rétablir un ami, confirmer votre sélection. Êtes-vous sûr? Vous ne pouvez rétablir qu'un seul ami. Oui, je suis sûr. Non, je préfère y réfléchir. Ah, ouais, d'accord, ok. On va le faire, hein. Hop, oui, je suis sûr. Optionnel, lui faire savoir. C'est fait. Vous pouvez maintenant commencer à jouer ensemble pour gagner des récompenses et partager le lien ci-dessous avec votre ami pour qu'il puisse également suivre votre progression. Ok, donc ça, je pourrais le donner à mon pote, par exemple, et lui, il pourra voir ma progression si je suis à une partie, 5 parties, 10 parties, 20 parties. Donc voilà. Et... changer de joueur. Changement de joueur en cours. Changer d'amis rétabli. Êtes-vous sûr? Vous pouvez changer pour le joueur de votre choix à condition que vous ne l'ayez pas déjà rétabli. Veuillez noter que vous garderez tout ce que vous avez déjà débrouillé. Vous perdrez le bénéfice du nombre de parties jouées et vous devrez reprendre à zéro. Vous ne pouvez pas revenir à un joueur précédemment rétabli. Donc apparemment, on peut changer. Donc... on va voir. Donc apparemment on peut changer. Je n'ai pas trop bien compris. Je pense qu'on peut, par exemple, je vais avec Bahamut jusqu'au palier 1 ou 2. Ensuite,
Mais tu me dis, ouais, non, c'est bon, j'ai plus envie de jouer, ça me saoule. Ben, je peux demander, genre, à Genghis et voir s'il veut bien faire 20 parties. Mais, genre, débuterai au palier 1, niveau 1, et il faudra que je refasse 20 parties pour débloquer tout. Donc, je peux débloquer la moitié des cadeaux avec quelqu'un et le reste des cadeaux avec l'autre, mais je dois repartir à zéro. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'informations importantes? Jouez à Fortnite, faites des parties avec vos amis et déverrouillez différents paliers de récompenses. Vous obtenez des récompenses après avoir joué 1, 5, 10 et 20 parties. Obtenez des prix et des récompenses. Vous et votre ami pouvez obtenir une émoticône, une musique de salon, une pioche et un revêtement. Ah ouais, donc ça, c'est ce qui est bien, c'est que c'est pour... si vous invitez un ami qui est déconnecté depuis 30 jours à rejouer avec vous, lui aussi débloque les récompenses que vous allez débloquer. Donc... là, il y a plusieurs questions. S'il y a une question qui vous intéresse dans la liste, je vous mets le lien de toute façon en description et vous n'aurez jusqu'à cliquer sur le petit plus pour en savoir plus. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le plus difficile, c'est de trouver un joueur, hein, de trouver un joueur à rétablir. Et après, ben, vous pouvez récupérer 4 récompenses assez sympathiques que je vous remonte tout de suite. Voilà, donc c'est celle-ci. J'aimerais bien y avoir en plus grand, il n'y a pas moyen. Non, bah, de toute façon, au début de la vidéo, je vous l'ai montré. Donc voilà, vous pouvez récupérer ces 4 récompenses gratuitement. N'hésitez pas à le faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.